Et nous voilà de retour pour Mega Man 3. Comme vous pouvez le voir, on s'attaque à Sparkman. Ce stage, par contre, il fait assez mal aux yeux. Alors, je vous montre l'arme qu'on a acquis la dernière fois. C'est le Hard Knuckle. Et en fait, ça projette, enfin, avec cette arme, Megaman peut projeter son poing à la façon du dernier boss d'ailleurs, Hardman. Bon, c'est un stage avec surtout beaucoup d'obstacles. Je vais peut-être utiliser ça. Oups, ça marche pas. J'étais pourtant sûr que ça marchait, mais trompé. Allez, oups. Alors ici un passage un peu dangereux. J'espère que je vais pas me foirer. Oh, ça c'est pas normal. Ouf. Oula, j'ai failli passer. Bon, je vais aller récupérer une pastille en haut. On est à peu près à la moitié du stage. Donc ça avance pas mal. C'est surtout la seconde moitié qui est très difficile au niveau des sauts. Il y a pas mal d'obstacles, difficultés. Ici déjà. Bon, ici ça va encore. C'est juste une très longue chute. Je me demande ce que c'est en fait ce stage. C'est... Au départ, on se dit c'est une centrale électrique ou un truc comme ça, et puis il y a ces espèces de cubes que je suppose sont des déchets de robots détruits ou je sais pas quoi. Ça colle pas quelque part. Bon, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais pas me risquer, je vais prendre Rush. Je suis un peu feignant. Mais au moins, je vais passer, ça c'est sûr. Après tout, c'est pour ça que je suis allé chez Needleman, j'ai pris le risque, j'ai dû gaspiller deux tanks là-bas. C'est pour avoir ma petite récompense, c'est pour avoir Rush. Bon. Alors, Sparkman, on peut l'avoir avec deux armes. Celle de Shadowman et celle de Needleman. Je crois que celle de Shadowman est un peu plus efficace, mais celle de Needleman marche très bien aussi. Oh putain, qu'est-ce que je fous? Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Ah bah je l'ai eu. Heureusement que j'avais l'arme, parce que c'était autour n'importe quoi. Bon, plus que deux robots. Shadowman ou Jimmyman. Je sais pas encore lequel je vais faire. À la prochaine pour le savoir.